Bonsoir frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse encore ce soir. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu qui entend et qui exauce nos prières encore aujourd'hui. Il nous a bénis, il nous a protégés depuis le dimanche, que son nom soit réellement béni. Recevez les salutations de notre frère le pasteur Yves de Bruay-sur-Lescot, le pasteur Daniel Gliner de Jomap, le pasteur Jean-Martin de Libreville, le pasteur Chamon de Pakistan, la sœur Adon Juliette de Toulouse, la sœur Esther de Lille, notre sœur Rebecca Bogui de Canada, notre sœur Carole de Canada, ainsi que son mari Yvon. Nous saluons aussi dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Salutations de notre sœur Lily et notre frère Philippe et Marthe depuis Paris. Notre frère Luc Sylvain Bani de Brazzaville nous salue. Notre frère Daouda, qui est bien rentré à Bayonne, nous salue également. Notre frère Koulibaly de Calatayud en Espagne nous salue également. Notre sœur Stéphanie de Valenciennes salue l'Assemblée. Le frère Michel de Loudun ainsi que son épouse, notre sœur Marie-Thérèse nous salue. Notre sœur Marilyn de Krefeld ainsi que notre frère Marcel, son mari, nous salue. Le pasteur Finet de Bukavu salue l'Assemblée. Le pasteur Anissé de Goma salue également l'Assemblée. Nos frères de Bilbao, je n'oublie pas. Le frère Thomas, notre frère Trésor. Le frère Pablo et aussi la sœur Esther de Bilbao qui nous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je n'oublie pas les salutations de notre frère Bruno de Paris. Notre frère Casquin de la France aussi nous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je n'oublie pas non plus les salutations de notre sœur Alice depuis Londres, qui salue l'Assemblée également dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Levons-nous, nous allons prier et recommander la réunion entre les mains du Seigneur. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Alléluia, gloire et louange, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire, gloire. Réellement pour ta gloire, notre Père et notre Dieu. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur Jésus, pour le souffle de vie que tu nous as donné encore aujourd'hui, notre Père. Merci pour la santé, Père, que tu renouvelles sur nous. Merci pour ton souffle de vie, ô notre Dieu. Merci pour ta bonté, notre Père. Merci pour ta présence, ô Éternel. Merci pour mon frère, merci pour ma sœur. Merci pour nos enfants, nos petits-enfants, Seigneur. Combien nous sommes heureux et dans la joie quand on nous dit d'aller dans ta maison, notre Dieu. Nous oublions les soucis de la vie, nous oublions les tracas, nous oublions réellement tous les problèmes que nous pouvons rencontrer le long du chemin. Parce que sur le chemin, nous allons sans peur, parce que l'Éternel, notre Dieu, est avec nous, notre Seigneur. Accorde-nous ta grâce encore ce soir. Nous venons déposer à tes pieds nos fardeaux, nos soucis, Seigneur. Parce que toi, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, nous apprécions ta présence. Combien nous aimons quand tu descends, notre Dieu. Combien nous aimons quand tu nous tiens par ta main. Combien nous aimons quand tu nous conduis, notre Dieu. Que seul ton nom soit exalté, que seul ton nom soit glorifié. Merci pour la chorale qui t'a chanté. Merci pour les enfants qui vont t'exalter. Merci pour chaque frère, pour chaque sœur qui réellement se déplace au Père.
paix, ceux qui sont au chemin, vous nous rejoignez encore ce soir. Nous voulons communier autour de ta parole, Père, que seul ton nom soit exalté, que seul ton nom soit loué. Bénis mes frères à la technique, Seigneur, à la caméra, Seigneur, aux instruments, Seigneur mon Dieu, mon frère Emmanuel, Seigneur mon Père, pour la connexion Internet, ô Dieu. Que nos frères soient aussi, ô Père, bien connectés, qu'ils puissent aussi bien suivre, Seigneur, tout le service, mon Père, pour la seule gloire de ton nom. Bénis tous nos frères qui nous ont salués et que tous ensemble nous puissions passer des bons moments dans ta présence. Bénis mon frère Zaché, mon frère Rosario, Père. Souviens-toi de notre pasteur, Seigneur, que nous recommandons encore en tête main. Ô Seigneur, merci parce que tu le soutiens. Ô Père, soutiens, fortifie-le, Seigneur. Garde-le toujours en bonne santé, Seigneur, et donne-lui, Seigneur, l'orientation, Seigneur. Ô, que ta parole l'éclaire encore davantage, afin que ton peuple puisse être conduit selon ta volonté, Seigneur. Garde-le dans le creux de ta main, utilise-le encore ce soir, afin qu'il soit une bénédiction pour ton peuple dans le monde entier. Sois loué, Père, sois glorifié à jamais, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prends le contrôle, Père, que tout esprit qui n'est pas de toi soit réellement chassé de cet endroit et retourne dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que seul ton nom soit célébré, que seul ton nom soit loué, que seul ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Que le Seigneur soit réellement béni. Je ne voudrais pas non plus oublier les salutations de mon frère Vladimir, de notre sœur Fanny, ainsi que Gabriel, qui nous salue depuis la Grèce, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Il y a un frère qui nous salue également depuis le Chili. Je ne sais pas, j'ai oublié son prénom, et je pense que je l'ai vu pendant la louange sur Ambassadeur de Christ, et il s'est connecté, il saluait l'Assemblée depuis le Chili. Il y a un autre frère du nom de Harrison Peter, je crois que c'est aux États-Unis, qui salue également l'Assemblée. Si ce soir, par la grâce de Dieu, il est en connexion, que Dieu te bénisse, mon frère. Nous allons chanter quand la Bible ici-bas, croire et obéir. C'est le 274. Quand la Bible ici-bas illumine nos pas, de sa gloire, Dieu veut nous remplir. Une œuvre vive en son ange ne peut. Simplement, il faut croire, obéir. Croire, obéir. Oh,
Ne crains point, je t'aime. C'est Ne crains rien, je t'aime. C'est le 177. 177 dans les fables. 177. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. Oui, la sombre vallée. L'âme consolée, je marche avec mon oh, ils n'ont jamais, non jamais, non jamais tout seul. Jésus m'en sauve, me garde. Jamais ne me laisse, oh non, jamais, jamais, non, jamais, non, jamais tout seul. Jésus m'en sauve, me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus, je m'en dois laisser.
Seigneur nous soutient. Que le Seigneur soit réellement béni. Je voudrais que les enfants viennent chanter. Et aussi que ils viennent chanter. Vous allez chanter deux cantiques, les enfants. Sois loué. Et à cette occasion, j'aimerais inviter Glory à venir chanter avec la chorale des enfants. Nous remercions le Seigneur d'avoir accordé une année de plus à Glory hier, le 9 mai. Que Dieu vous bénisse. C'est la famille Makitumbu. Glory, viens chanter avec la chorale des enfants. Sois loué. Pardonnez-moi, c'était le 14 mai. Je désire voir ta face quand ton regard se pose sur moi. Ta grâce abonde dans moi. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Je Bientôt ce qui divise ne soit
Que le Seigneur vous bénisse richement les enfants. Je veux lire deux témoignages. Ceci est le témoignage de notre sœur Juliette de Toulouse. Elle dit donc, bonjour pasteur, je suis la sœur Juliette, une amie à la sœur Véronique. C'est grâce à elle que nous avons eu le site et nous vous suivons depuis environ 2 ans. Nous étions en train de chercher une église du message et grâce à Dieu Tout-Puissant, nous l'avons eu. C'est IMC. Je n'ai cessé de dire merci à Dieu qui a dit qu'il ne laisserait pas ses enfants orphelins. Je vous demande pardon parce que ne sachant pas que je pouvais vous joindre par ces contacts, j'ai mis trop de temps pour signaler ma présence. Je vous demande de m'accepter comme votre sœur. Et amen. Ma sœur Juliette, si tu nous suis ce soir, tu entends déjà les réactions de tes sœurs et de tes frères ici à Bruxelles. Que Dieu te bénisse richement. Donc, je vous prie de m'accepter comme votre sœur. Vous avez les paroles de la vie éternelle. Je crois que Dieu est avec vous. Quand je veux conseiller une église à quelqu'un, je donne simplement le site. Car je suis convaincu que la personne trouvera le salut et la réponse à ses problèmes à travers vos prédications. Enfin, je voudrais vous dire que vous m'avez beaucoup aidé à avancer dans mes épreuves. Merci beaucoup, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est notre sœur Juliette de Toulouse. Je ne sais pas, ma sœur Juliette, de quel côté tu es à Toulouse, mais nous avons déjà une sœur à Toulouse, là-bas, la sœur Rachel. Il faudra voir comment les mettre en contact. Que le Seigneur soit réellement béni. Salutations à l'Assemblée. Je salue l'Assemblée dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je remercie l'Assemblée pour la prière concernant mon retour ce dimanche. Elle a été efficace parce que Satan m'a tellement combattu qu'il voulait m'empêcher de voyager. En effet, je me suis présenté à l'heure pour prendre mon bus. C'est notre frère Bruno. C'est notre frère Bruno qui nous écrit. Et il dit, je me suis présenté à l'heure pour prendre mon bus quand le frère Ghislain m'a déposé. En me renseignant, les autres conducteurs m'ont fait savoir que mon bus n'était pas encore arrivé. Voilà que 10 minutes après l'heure du départ théorique du bus que je devais prendre, je me renseigne à nouveau auprès du même conducteur. Il me fait savoir que le bus devant lequel j'étais posté était celui qui me concernait. Pourtant, aussi, celui-ci, je lui ai demandé, il m'a fait savoir que ce départ ne me concernait pas. Ainsi, j'ai raté mon bus de départ. Voilà, je prends ma carte bleue pour trouver une nouvelle réservation dans l'heure qui vient avec un autre bus. J'avais besoin d'être à Paris avant 23 heures à cause des grèves de train. Pendant que j'étais en train de passer le code de la carte bleue pour la réservation avec 8 bus pour 18 heures, la batterie de mon téléphone s'est déchargée. Je suis allé demander de l'aide au conducteur du bus pour charger mon téléphone. Il m'a fait savoir que c'était impossible. À ce moment-là, j'étais perdu. Le frère Ghislain était déjà parti. Je ne pouvais joindre personne. Je voulais retourner à l'Assemblée, mais je ne savais comment y arriver. Et j'ai alors décidé de prendre un moyen pour arriver à la gare du Midi. Voilà qu'en marchant, le Seigneur me fait grâce de rencontrer la sœur Rosalie et son époux. Comme ça a été, vous souvenez, je vous l'avais dit au même moment, donc la sœur Rosalie elle-même, quand elle est arrivée à Paris, elle cherchait un moyen pour pouvoir faire sa correspondance. Là, elle avait rencontré le frère Ghislain, le frère Bruno et le frère Daouda. Et au retour de frère Bruno lui-même, il rencontre la sœur Rosalie avec son époux à la gare du Nord. Une fois donc qu'elle me prend en charge, Satan a échoué. Amen, amen. Et elle va ainsi joindre
le frère Christian, le frère Christian qui joint le frère Ghislain et le frère Daouda qui vont m'aider. C'est ainsi que je suis arrivé enfin à la maison. Il était plus d'une heure du matin. Je suis arrivé chez moi et j'ai remercié le Seigneur pour sa bonté. Je prie le Seigneur de bénir notre précieuse assemblée. Je prie le Seigneur de bénir notre précieux frère Léonard. Que le Seigneur puisse toujours le oindre comme il le fait à chaque fois. Je prie le Seigneur de bénir tous les frères et sœurs présents sur place et en connexion. Je prie le Seigneur de bénir le service de ce soir, la technique, la connexion Internet, les diacres, les chorales. Notre espérance repose sur les bontés de notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Que le Seigneur soit réellement béni, qu'il soit réellement glorifié pour ce qu'il a fait pour notre frère Bruno. Que le Seigneur soit glorifié. Nous allons chanter le 281 dans les phares. L'amour de Dieu dans mon cœur. Merci. Thank you.
Jésus, pour rassembler les élus de toute la terre, pour toujours et à jamais. Le temps donner
Dieu, tu es digne, Seigneur Jésus, digne d'être loué, digne d'être glorifié, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être acclamé, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être célébré. Jésus-Christ, mon Sauveur, il n'y a point de Dieu semblable à toi. Oh, comment ne pas exalter un Dieu comme toi, notre Père. Quand nous voyons, Seigneur, l'accomplissement de tes promesses, quand nous voyons, Seigneur, l'accomplissement de ta parole demeure la vérité, Seigneur Jésus. D'éternité en éternité, il n'y a point de Dieu semblable à toi. Comment ne pas te glorifier pour ce que tu fais dans nos maisons? Comment ne pas te glorifier pour ce que tu fais au travail? Comment ne pas te glorifier pour ce que tu fais dans la vie de nos frères et sœurs? Les témoignages sont là, Seigneur Jésus. Comment ne pas exalter ton Saint-Nom? Oh, nous voulons encore avoir plus de respect et de soumission à ton endroit. Oh, Jésus-Christ, mon roi, il n'y a point de Dieu semblable à toi. Nous voulons être soumis à toi, Jésus. Nous voulons être obéissants à ta parole, oh Seigneur. Viens toucher nos cœurs, viens changer nos vies, Seigneur. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Mon âme te bénit, oh Père, et n'oublie aucun de tes bienfaits encore ce soir. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi. Tel que nous sommes, Seigneur, comment ne pas exalter ton Saint-Nom? Comment ne pas chanter pour toi? Comment ne pas glorifier ta présence? Seigneur, ta présence ne fait jamais défaut. Seigneur, nous avons tout abandonné, Seigneur. Nous avons laissé nos maisons. Nous avons laissé, Seigneur, nos occupations pour venir réellement te donner la première place, Seigneur Jésus. Tu es le seul qui mérite, oh Jésus, d'avoir la première place dans nos cœurs, Seigneur. Oh, aucun problème peut réellement nous submerger, Seigneur. Nous voulons recevoir, Seigneur, ta parole dans une bonne terre. C'est ce que nous voulons, Seigneur Jésus. Oh, c'est le désir de ma sœur, c'est le désir de mon frère, que les soucis de la vie, que les problèmes ne viennent pas, Seigneur, nous éloigner de toi, Seigneur Jésus. Mais nous voulons qu'au travers des épreuves, oh, car les épreuves sont plus précieuses pour nous que l'or périssable, Seigneur. Nous voulons, au travers de chaque situation, en profiter pour te glorifier, Jésus. Même dans la maladie, nous voulons t'exalter. Même dans la tristesse, nous voulons te louer. Même dans les problèmes, nous voulons chanter la gloire de Dieu. Tu es le Dieu véritable, Seigneur. Nous aimons quand nous allons dans la maison de notre Dieu. C'est ainsi que David avait dit que je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Car je sais que dans la présence de Dieu, rien n'est impossible, Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. Ce soir, Seigneur Jésus, tu es capable, mon Sauveur, oh, de frayer un chemin. Si nous sommes ce soir en ce lieu, c'est parce que tu as frayé un chemin. Si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est parce que tu as frayé un chemin. Si tu nous as conduits dans cette assemblée, c'est parce que tu avais frayé un chemin. Oh Jésus-Christ, mon Sauveur, ce soir tu es là, Seigneur. Tu veux nous faire du bien, Seigneur notre Dieu. Viens nous tenir par ta main. Seigneur, enlève les soucis, enlève la tristesse, mon Sauveur. Enlève la fatigue, mon Dieu. Satan a échoué, Jésus. Gloire à toi, mon Sauveur. Parce qu'après 3 jours, comme tu l'avais dit, Seigneur, tu es ressuscité. Puisque tu vis, nous aussi nous vivons, Seigneur. Il n'y a rien qui peut nous séparer de ton amour, Seigneur. Rien ne peut nous éloigner de ta présence. Seigneur, sois loué, sois glorifié, Seigneur. Sois exalté, mon Sauveur. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Combien nous aimons ta présence, Seigneur Jésus. Ta présence nous fait du bien, Seigneur. Ta présence nous rajeunit. Ta présence nous fortifie. Ta présence nous soutient. Ta présence nous console. Ta présence nous change. Ta présence nous remplit. Ta présence nous délivre. Ta présence ouvre nos yeux, Seigneur. À toi la gloire,
À toi la puissance à jamais. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Oh Père, combien la responsabilité est grande, mon sauveur. À des endroits que nous ne pouvions même pas imaginer, des frères sont connectés, mon sauveur. Nous avons des frères et des sœurs dans tous les lieux, Seigneur. Oh, toi seul, tu les connais tous par leur nom. Seigneur, ce soir, ils sont tous connectés parce qu'ils veulent suivre ta parole, mon sauveur. Oh, Seigneur, dis seulement un mot. Jésus-Christ, mon sauveur, dis seulement un mot et ma sœur sera consolée, Seigneur. Dis seulement un mot et mon frère sera fortifié, Seigneur. Même dans le coin le plus reculé, Seigneur, même si personne ne le voit, même si personne ne le connaît, mais toi, tu le connais, Seigneur Jésus. Viens ce soir. Utilise ton serviteur par sa bouche, Père. Parle à ton peuple, Seigneur Jésus. Et que celui qui a réellement besoin de toi, que celle, Seigneur mon Dieu, qui s'attend à toi ce soir, qu'il reçoive réellement la consolation, la parole de fortification. Tu es le Dieu de toute bénédiction. Seigneur, tu es tout pour nous, c'est vrai, Seigneur. Seigneur, où irions-nous loin de ta face? Où pourrons-nous nous cacher, Seigneur? Même si, Seigneur mon Dieu, nous nous cachons dans notre orgueil, mon Sauveur, là même tu nous vois, Seigneur Jésus. Oh, même dans l'hypocrisie des cœurs, mon Sauveur, toi tu sondes les cœurs et les reins, Seigneur. Même dans les lieux secrets, Jésus, tu vois réellement la profondeur des cœurs. Tu sais qui est de toi, qui ne l'est pas, Seigneur. Tu sais qui est sincère et qui ne l'est pas, Jésus. C'est pourquoi ce soir, mon Sauveur, que la parole qui sera proclamée soit réellement à propos, mon Sauveur. Oh, viens parler personnellement à mon frère, viens parler personnellement à ma sœur, viens me parler personnellement, Seigneur Jésus. Nous avons tous faim et soif de toi, Seigneur. Tu es tout pour nous, Seigneur Jésus. Oh, remplis le vase, Seigneur. Donne-lui réellement les paroles de vérité. Donne-lui réellement les paroles de la vie éternelle. Seigneur Jésus, tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ, tu n'as pas changé. Le Jésus de la Bible, Seigneur, c'est celui que nous confessons ce soir. Le Jésus de la Bible. Et oh oui, il est là, Seigneur. Il marche au milieu de cette chandelle d'or. C'est lui le roi des rois. C'est lui le Seigneur des seigneurs. Oh, tout est soumis, Seigneur, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Tout est soumis, Seigneur Jésus. Prends le contrôle, mon Sauveur. Domine en seul maître, Seigneur. Mon cœur est aussi blanc. Mon cœur est aussi pur. Oh Jésus-Christ, mon Sauveur. Alléluia. Souviens-toi de moi, Seigneur Jésus. Mon cœur est aussi blanc. Alléluia. Mon cœur est aussi blanc.
Levons-nous, s'il vous plaît, nous allons lire un psaume. Nous allons lire dans les psaumes au chapitre, dans le livre des psaumes au chapitre 20. Psaume chapitre 20. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 20. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. Amen. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Amen. Je sais déjà que l'Éternel sauve son roi. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et nous restons debout. Amen. Éternel, sauve le roi qui nous exauce quand nous l'invoquons. Amen. Amen. Je connais ce Dieu puissant qui relève tout défi. Peu m'importe si le mal surgit, l'Éternel est dans le camp, l'Éternel est dans le camp, l'Éternel est dans le camp, moi je parle en fiance. L'Éternel est là. Nous sommes heureux, notre Père et notre Dieu, de savoir que tu es dans le camp, mon bien-aimé Seigneur, parce que réellement, quand tu es avec nous, Père, nous accomplissons des exploits. Tu es vraiment le Dieu qui fait des merveilles, Père. Tu es vraiment un Dieu terrible, mon bien-aimé Père Saint. Oh, que ton nom soit vraiment exalté, parce qu'il est vraiment exalté, Seigneur. Il est vraiment grand, ton nom, mon bien-aimé Seigneur. Oh, ta grandeur, bien-aimé Père, puissant de passe, mon bien-aimé Père. Oh, tu es réellement le Dieu tout-puissant. La puissance t'appartient, mon Seigneur. Louange et honneur à toi encore ce soir. Oh, pour ta bonté et tes merveilles qui te laissent de témoigner, de manifester, Père, à l'endroit de ton peuple encore aujourd'hui, Seigneur. C'est vraiment une grâce, un privilège merveilleux, Seigneur, de t'avoir comme Dieu, de t'avoir comme Père, de t'avoir comme Sauveur, de t'avoir comme Rédempteur, de t'avoir comme guide, mon bien-aimé Seigneur. Oh, jusqu'à la mort, nous te serons fidèles, mon roi. Nous voulons te servir de tout notre cœur, Père. Merci pour ce privilège d'être à toi, mon bien-aimé Père. Oh, tu es vraiment digne d'être aimé, Seigneur. Digne d'être exalté, mon bien-aimé Père puissant. Digne d'être adoré, mon bien-aimé Seigneur. Tu nous as délivrés, Seigneur. Nous as réellement affranchi, mon bien-aimé Père Saint. Oh, nous sommes dans la joie, mon bien-aimé Père, de marcher avec toi, mon bien-aimé Père. Hier, nous étions esclaves, mon bien-aimé Père puissant. Aujourd'hui, nous sommes tellement libres, Père. Dans la joie, on va te servir encore, Père. Merci pour ma soeur, merci pour mon frère, merci pour nos enfants, nos petits-enfants, Seigneur. Nous avons réellement libéré, mon bien-aimé Seigneur, oh Dieu. Nous sommes vraiment un peuple libre, Père. Nous t'aimons la liberté, mon bien-aimé Père Tibissant. Nous t'aimons la liberté, mon bien-aimé Seigneur. Parce que tu es vraiment un Dieu qui nous rend libre, Père. Sois béni encore aujourd'hui, Père. Merci pour les cantiques. Merci pour l'adoration, Père. Merci pour chaque chant qui a été chanté en ces lieux, mon bien-aimé Père. Pour les témoignages de nos frères et soeurs à différents endroits, Père. Les âmes que tu attires encore aujourd'hui, mon bien-aimé Père Tibissant. Nous te remercions pour chacun d'eux, mon bien-aimé Père Tibissant. Louange et honneur à toi pour nos frères, pour nos soeurs, mon bien-aimé Père Saint. Béni soit l'Éternel notre Dieu. Pour ton amour à notre endroit, mon bien-aimé Père Tibissant, tu conduis réellement nos pas cette terre, Père. Louange à toi, nous avons aussi guéri, Père, et fortifié encore, Père. Sois adoré, mon Sauveur, car nous t'avons ainsi prié et glorifié. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Amen. Qu'il soit glorifié encore aujourd'hui et qu'il soit béni. Nous sommes heureux d'être dans sa maison. Vous pouvez vous asseoir. C'est là que nous pouvons aussi chanter combien il est bon.
notre Seigneur et notre Dieu et notre Rédempteur. Qui vous bénisse vraiment, vous qui êtes déplacés de loin et de près pour venir dans ces lieux. Nous nous réjouissons parce que chaque fois que nous avons la grâce de pouvoir être ensemble, c'est aussi une grande bénédiction de voir nos frères, de voir aussi nos sœurs. Et nous remercions Dieu pour tous les frères et sœurs qui nous donnent dans différents pays, différents endroits, et qui sont aussi en connexion, comme vous avez prié tout à l'heure aussi. Nous le remercions de tout notre cœur et nous réalisons combien il est tellement bon aussi pour nous. Nous remercions aussi pour les témoignages que nous recevons aussi au jour le jour et qui touchent réellement aussi nos cœurs, qui nous montrent qu'effectivement que le Seigneur, notre Dieu, est toujours à l'œuvre et qu'il l'accomplit réellement et qu'il connaît aussi nos cœurs et nos âmes, qui sondent aussi la profondeur de nos cœurs pour que nous puissions réaliser qu'il a les yeux et qu'il voit, il a une bouche et qu'il parle et qu'il a aussi les mains qu'il restaure aussi. Nous le remercions pour son amour et sa bonté. J'étais, mon frère, ici, Koulibaly de l'Espagne m'a appelé aujourd'hui parce qu'il dit qu'il avait deux, trois témoignages à pouvoir me rendre effectivement, mais il était touché parce que je crois que c'était, nous sommes mardi dimanche, je crois, et c'était cela. Il dit, mais vraiment, ça, c'est quelque chose qui m'a touché dans le cœur. Et c'est quand tu as parlé, effectivement, que quand le Seigneur fait quelque chose, même si c'est petit, nous devons reconnaître ce que Dieu fait et lui dire aussi merci pour cela. Et il dit, tu as aussi cité aussi l'exemple de 50 cents. Alors, que quand on a 50 cents, évidemment, on dit, bon, voilà, mon frère Zaché, faut être fermé, frère, parce que on va nous entendre dehors et puis, à cause du bruit, les voisins vont se plaindre. Je pense que je voudrais demander à mon frère Jonas s'il peut prendre la climatisation qui est dans mon bureau, venir la mettre ici. Vous pouvez prendre le frère Emmanuel Audi de pouvoir t'aider, frère, pour les tuyaux, comme ça, on envoie de l'air ici, de l'air un peu plus frais. Alors, me fait savoir en disant, c'est tout pour les 55, il dit, et ce qui se passe, c'est que c'est vrai que, comme tu disais, que quand c'est beaucoup, on rend témoignage de beaucoup, mais quand c'est 55, c'est comme si c'était rien. Il dit, mais en tout cas, ça m'a touché parce que ça me concerne. Et c'est vraiment le Seigneur qui a permis que cela soit dit pour que je me rappelle ce qu'il a fait pour moi. Il dit, un jour, j'étais ici chez nous, à la maison, en Espagne, et nous avons une situation difficile. Et comme on avait les enfants, on n'avait pas de moyens, on n'avait que 3 cents. Et on ne savait pas comment faire. Et puis, je suis sorti pour aller dans le parc, effectivement. Je me suis assis sur un banc, vu que la situation n'était pas aussi facile. Et là, j'étais assis, vous voyez, j'ai pensé. Et voilà que, à cet moment, mes yeux se tournent par terre. Et qu'est-ce que je vois? C'était 50 cents. Et alors voilà, il dit. Et voilà que je ramasse donc les 50 cents, je rentre à la maison. J'arrive à la maison, il n'y avait pas d'eau. Donc les enfants ne savaient pas boire, enfin, on n'avait plus rien comme eau. Alors le bidon d'eau qu'on achète chez eux, là-bas, en Espagne, coûte 53 cents. Donc avec les 50 cents et les 3 cents qu'il avait, il a pu acheter de l'eau. Il dit, Dieu est bon. Il dit, j'hésitais pour ce témoignage. Il dit, mais le Seigneur nous rappelle toujours que dans le moindre détail, dans les petites choses, et puis maintenant, Dieu a fait des grandes aussi. Alors nous reconnaissons notre Dieu dans sa manière de pouvoir faire les choses et qui nous témoigne effectivement que nous devons réellement réaliser que nous devons toujours prendre en considération chaque chose que Dieu fait pour nous. Petite soit-elle, il faut que quand c'est la main de Dieu, on doit le glorifier, on doit le remercier parce que c'est vraiment une grâce que le Seigneur, notre Dieu, accomplisse cela. Alors, vous savez, j'ai eu à pouvoir recevoir aussi, je crois que c'est concernant le temps, la question qui m'a été posée, bon, des questions m'ont été posées, mais celle-ci, effectivement, elle a été préoccupante, effectivement, parce que on voudrait réellement aussi savoir, en réalité, ce qui se passe et ce qu'il y a, effectivement, comme situation et comment est-ce que les choses sont vues, effectivement, au vu de tout cela, par rapport aux Saintes Écritures. Il est absolument nécessaire aussi que nous puissions aussi réaliser, comme nous l'avons entendu quand nous étions en Allemagne, lorsque nous avons pu lire dans l'écriture de Matthieu, je pense pour ceux qui étaient là, parce que cela aussi a touché aussi beaucoup de cœurs aussi, j'ai entendu aussi les témoignages, évidemment, de cela aussi, où ceux-là qui étaient donc en Orient ont pu voir l'étoile, qui sont partis et qu'ils ont dit que nous avons vu son étoile. Et nous sommes venus pour pouvoir l'adorer.
C'est profond quand même. De pouvoir réaliser cela, je pense que de comprendre comme nous l'avons eu souvent entendu. Et puis maintenant, la question était, et ils ont pu voir effectivement, ils ont eu à pouvoir bouger de l'endroit où ils étaient, parce qu'ils étaient convaincus. Mais maintenant, qu'est-ce que vous voyez? C'est aussi important pour nous aussi de pouvoir réaliser que le Seigneur ne conduit jamais son peuple dans l'aveuglette. Nous ne sommes pas de ceux-là qui tâtonnent dans les ténèbres, nous sommes de ceux-là auxquels le Seigneur a réellement réveillé pour qu'ils puissent marcher effectivement dans la clarté, dans la lumière qui a brillé effectivement. Parce que la Bible est claire lorsqu'elle déclare en disant que « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. » Donc si c'est pour toi effectivement cette lumière, c'est pour que tu ne puisses plus tâtonner effectivement, mais que tu marches effectivement en voyant clairement où est-ce que nous allons et où est-ce que nous sommes. Et qu'effectivement aussi en rapport avec les choses de Dieu et les prophéties bibliques aussi pour le temps dans lequel nous nous trouvons, où est-ce que nous en sommes et comment, parce qu'il est absolument important que nous sachions de quelle manière nous avançons effectivement et quel est le plan, le programme de notre Dieu. Parce qu'on ne sert pas Dieu dans l'aveuglement comme cela, on sert Dieu parce qu'il y a un but. Et si Dieu nous a aussi appelés, c'est parce que il y a réellement aussi un but et nous sommes dans une marche et cela, nous sommes dans un programme. Nous le disons si souvent, frères et sœurs, que nous sommes de ceux-là qui accomplissons effectivement l'histoire de Laodicée. Parce qu'effectivement, Laodicée, c'est l'âge dans lequel vous et moi nous sommes. Ne prenez jamais à la légère les choses que vous entendez. Il ne faut pas penser qu'effectivement, c'est que nous sommes là, c'est un peu un jeu de l'histoire. Non, parce que vous serez sévèrement jugé sur la base de ce que vous avez. Vous ne pourrez pas dire, Seigneur, tu ne nous as pas accordé la grâce. Non, vous êtes certain que le Seigneur vous visite et qu'il vous parle aussi. Mais prenez garde à la manière dont vous entendez. C'est écrit, nous avons lu cela, je crois, dimanche aussi dans les Saintes Écritures. Aussi, je pense, c'était dans le livre de Luc, je n'avais pas pu arriver à parler. Mais il dit, prenez donc garde à la manière dont vous entendez. C'est absolument important que vous puissiez vraiment prêter attention et que vous compreniez aussi. Parce que ce n'est pas comme ça. Parce que, vous savez, il y a bien un groupe, effectivement, de ce que vous savez, quand les Saintes Écritures nous parlent, il y a beaucoup d'appelés, mais très peu de lus. Donc vous devez savoir dans quelle catégorie vous vous trouvez. C'est pour ça, ne prenez pas votre temps en étant distrait quand vous venez ici. On ne cessera jamais de le répéter. Il faut que vous vous mettez toujours en question, est-ce que, quand je rentre dans la maison du Seigneur, suis-je attentif? Est-ce que vraiment je saisis ce qu'il en est? Est-ce que je me sens effectivement impliqué? Est-ce que Dieu s'adresse à moi? Est-ce que Dieu me parle effectivement? Parce que quand Dieu te parle, c'est une grâce. Et quand on est un enfant de Dieu, même si c'est dur, même si Dieu t'a parlé, ça t'a fait mal, tu pourras jamais te révolter contre le Seigneur. Tu le glorifieras et tu t'aligneras toujours dans la parole de Dieu. Et c'est là que nous apprenons tous effectivement. Alors, la question qui m'avait été posée donc aujourd'hui, c'est effectivement de pouvoir voir, au vu de tous ces événements qui se passent en réalité, où est-ce que nous en sommes effectivement et en rapport avec la prophétie biblique en ce jour, nous voudrions effectivement voir effectivement où sont les choses et comment est-ce que les choses ont avancé effectivement. Effectivement, c'est vrai que lorsque Dieu fait quelque chose, il fait toujours chaque chose selon sa parole. Et nous avons la grâce de pouvoir être éclairés par le Seigneur pour que nous puissions voir clairement aussi et que nous ne soyons pas effectivement comme les autres qui suivent un fait des mouvements des uns comme des autres, mais nous nous soyons conduits par l'Esprit du Seigneur afin de demeurer de manière à ce que nous puissions demeurer dans les choses de Dieu, afin que nous puissions vraiment nous préparer de la manière dont le Seigneur, notre Dieu, parce que je pense que dans le livre de Luc, je pense que c'est cela, Luc au chapitre, je pense que c'est cela, 22, que tu me pardonnes, je pense que c'est cela, le Seigneur. Luc chapitre 21, 22, je pense que c'est cela, le Seigneur dit quelque chose ici, je pense. Oui, Luc 21, donc, je pense l'avoir déjà lu ici, ou je ne sais pas si c'est en Allemagne que je l'ai lu, mais ici aussi, je crois que vous voulez lire. Alors, Luc 21, je vais lire quelques portions de l'Écriture, il dit ici, verset 28, il dit, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, élevez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Et puis, verset 29, il dit, « Et il leur dit une comparaison, voyez les figuiers et tous les arbres, dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même, en regardant que déjà l'été est proche. » Et je crois que j'avais eu à pouvoir exprimer dans ce verset
lorsque nous avons eu, c'était en Allemagne, je pense, que nous avons lu, et c'était dans Matthieu 24, quand le Seigneur parlait effectivement à ses disciples, leur parlant en rapport avec les figuiers, et il montrant, en disant que quand ces feuilles commencent, quand ces branches commencent à devenir tendres, effectivement, et que les feuilles poussent, vous savez que déjà l'été est proche. Et ici, on nous clarifie encore, ça veut dire que pour que tu saches que les branches sont tendres, effectivement, et que les feuilles poussent, il faut que tu vois cela. Donc, si tu ne vois pas, comment peux-tu savoir que ces feuilles sont en train de pousser, que les branches sont tendres? Donc, il doit y avoir un moment où tu dois arriver à pouvoir voir. Est-ce que le Seigneur dit ici, en regardant, donc vous devez regarder. Et quand vous regardez, vous voyez. Donc, regardons donc, et que déjà l'été est proche. Verset 30, il dit, de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Donc, nous ne devons pas avoir le regard comme tout le monde. Nous ne devons pas avoir le regard comme tous ceux qui prient, qui chantent. Non, nous devons avoir le regard différemment. On doit regarder les choses d'une manière tout à fait différente. Parce que nous le disons, que nous sommes des aiglons. Et un aigle a une nature tout à fait différente des autres oiseaux. Parce que Dieu lui a donné une vue tout à fait particulière que les autres oiseaux n'ont pas. Il amène tellement si haut, alors sa vue maintenant devient encore beaucoup plus claire. Donc plus haut il t'amène, c'est pour que tu vois la généralité des choses. Vous savez, quand on est plus bas, on ne sait pas bien voir effectivement plus loin. Mais quand tu t'élèves, donc tu vois tout maintenant en globalité. Donc tu vois exactement la grandeur, et puis tu vois chaque chose effectivement, comment elle se trouve. Plus bas, tu ne peux pas bien voir. Donc si Dieu nous a donné effectivement, et que nous sommes comparés aux aigles, c'est pas par hasard, c'est pas pour rien que Dieu donne quand même cette comparaison. C'est pour que nous puissions être certains que nous avons des yeux pour voir, mais différemment en fait. Et les oreilles aussi que Dieu nous a ouvertes, c'est pas pour suivre ce que le monde dit, mais en fait, nous regardons les choses selon ce que Dieu a dit. Et quand il y a quelque chose qui se passe, effectivement, le Saint-Esprit nous réveille. Alors, nous montre effectivement les choses. Alors, en rapport avec les événements, parce que la question m'a été posée, je pense que je vais essayer de pouvoir, par la grâce du Seigneur, clarifier, en fait, montrer les choses selon les Saintes Écritures, pour que vous sachiez aussi où est-ce que nous en sommes, et que vous sachiez aussi comment est-ce que le Seigneur fait avancer les choses en rapport avec nous, pour notre préparation, effectivement aussi, pour que nous sachions aussi où est-ce que nous en sommes avec Dieu dans sa marche. La question qui m'a été donc posée, c'est là, en rapport avec les événements, parce que vous avez donc entendu que les États-Unis ont donc ouvert leur ambassade, effectivement, à Jérusalem. Alors, vous remarquez très bien que cela a créé tellement une tollée dans le monde, et les gens, aujourd'hui, ont commencé à pouvoir casser partout, comme vous le savez, mais le monde entier a pu réaliser une chose, c'est que l'Amérique, la grande puissance américaine, a eu à pouvoir déclarer d'une manière claire que maintenant nous prenons position pour Israël et qu'ils ont bien déplacé leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem et déclarant très haut devant tout le monde que nous reconnaissons que Jérusalem est la capitale effectivement d'Israël. Et ça, que Dieu te bénisse. Et ça, c'est en fait le monde entier. Malgré ce que les gens peuvent arriver à pouvoir déclarer effectivement comme chose, comme cela s'est fait. Bon, je voudrais que vous prêtiez attention à une chose qui est très importante. D'abord, la première chose est celle-ci. Le 2 novembre 1917, Lord Balfour, c'était le secrétaire britannique effectivement des affaires étrangères, a déclaré effectivement au mouvement sioniste par une lettre qu'on appelle effectivement la lettre qui a été adressée par Lord Balfour. Le 2 novembre, en déclarant qu'effectivement que le gouvernement de Sa Majesté britannique, donc, envisage favorablement effectivement de pouvoir donner effectivement la possibilité aux Juifs de pouvoir avoir aussi une partie dans le territoire, donc, qu'ils puissent arriver à pouvoir avoir aussi le droit de pouvoir vivre là-bas, avoir leur part, pour vivre effectivement en Israël, donc de retourner effectivement dans leur pays. Et c'est cela qu'effectivement que ça a eu à pouvoir créer cet engouement et que tout le monde a eu à pouvoir se rendre compte qu'effectivement que Israël doit absolument avoir réellement son territoire effectivement et sa partie effectivement parce que c'était une décision qui avait été prise et que tout le monde devait le savoir et tout le monde l'a su. C'est comme ça que
vous remarquerez qu'effectivement, que ça a eu à pouvoir déclencher quand même aussi une réjouissance, puisque maintenant, les Juifs avaient quand même une patrie. Parce qu'à l'époque, on voulait les envoyer en Ouganda. Vous vous souvenez, non? Ok. Maintenant là, ils reçoivent une déclaration claire, effectivement, que maintenant, votre patrie ne sera plus en Ouganda, ce sera là, en Israël, effectivement. Alors ça, c'était donc le 2 novembre 1917. C'était là, effectivement, que Israël, maintenant, pouvait maintenant dire, nous commençons à revivre maintenant. Parce que la terre d'Israël n'appartenait plus à Israël, donc les enfants d'Israël ne veulent même plus être là-bas. Maintenant, on l'a fait comprendre, effectivement, que maintenant, vous avez le droit de retourner chez vous, parce que vous avez maintenant une patrie. Le 2 novembre 1917. Vous avez entendu cela? Voilà que le 6 décembre 2017, alléluia. 2 novembre 1917, le 6 décembre 2017, Donald Trump, d'une manière fracassante, il se met debout effectivement devant sa tribune et déclare que nous, en tant qu'Américains, nous reconnaissons que Jérusalem est la capitale d'Israël. Ça, c'est la naissance d'Israël. Pourquoi? Parce que Israël n'est pas Israël si Jérusalem n'est pas sa capitale. 1917-2017. Dieu ne fait jamais rien par hasard. Je ne sais pas, vous pouvez voir qu'effectivement, que avant Trump, il y a eu des présidents. Pourquoi ces présidents n'ont pas pu prononcer? Parce que dans l'hémicycle du Sénat américain, ils avaient déjà décidé effectivement qu'ils doivent reconnaître Israël. Mais tous les présidents qui sont passés ont toujours ignoré cela. 2000, 2001, 2002, 2006, 2007, 2008, 2016, 2015, tout ça. Et puis, on va élire un monsieur comme Donald Trump. Ben oui, c'est monsieur Donald Trump. Nous arrivons en quelle année? 2017. 2 novembre 1917 au 6 décembre 2017. Cet homme se tient debout, effectivement, parce que ce n'était pas 2018, mais 6 décembre 2017, il se tient debout, il proclame, et contre toute attente de toutes les nations, effectivement, il dit, aujourd'hui, nous déclarons que Jérusalem est la capitale, et que l'ambassade d'Israël, l'ambassade d'Amérique, effectivement, se déplacera, où c'est à Jérusalem. Les gens ont pensé que c'était un petit jeu, que ce monsieur ici, il parle comme ça. Non, Dieu était derrière. Dieu était derrière. Comme il y a eu la déclaration de Lord Balfour, Donald Trump aussi, Dieu l'a utilisé aussi. Mais regardez une chose. Je veux que vous prêtiez attention maintenant. Le 14 mai 1948, c'était la déclaration d'indépendance dit. Vous recevez les noms? Donc, c'est Israël a pu avoir son drapeau qui était hissé le 14 mai 1948. Est-ce que vous me suivez? Aujourd'hui, nous sommes en 2018. L'ambassade américaine a inauguré effectivement aussi son ambassade. Donc, les Américains ont inauguré leur ambassade le 14 mai 2018. Est-ce que vous suivez? Amen. Le 14 mai 2000, vous savez, nous sommes le 14e aujourd'hui. C'était hier, non? Donc le 14 mai 2018, ils ont inauguré effectivement leur ambassade et toutes les nations du monde ont fait leur regard focalisé sur Jérusalem, sur Israël. Parce que ça s'est passé où? C'est pas à Tel Aviv. Ça s'est passé à Jérusalem. Parce que l'ambassade était inaugurée à Jérusalem. Donc, toutes les dignitaires sont allées à Jérusalem. Donc, toutes les nations ont regardé, mais Jérusalem. Donc, Jérusalem devient maintenant, oh, aux yeux des hommes, une ville qui commence à pouvoir resplendir. Regardez une chose, bien aimé, s'il vous plaît, frères et sœurs. 1948. 2018. Ça fait combien?
1948-2018, ça fait combien? 70 ans. Prenons dans 2 Chroniques. 2 Chroniques. Dans 2 Chroniques, nous lisons 2 Chroniques, effectivement, chapitre 36. 2 Chroniques, chapitre 36. Nous lisons ici à partir du verset 2 Chroniques, chapitre 36, verset 21. Vous y êtes? 2 Chroniques 36, verset 21 dit: afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays ait joui de ses sabbats, il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement de quoi? De combien? 70 ans. 1948 à 2018, ça fait 70 ans. Et après seulement, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu 70 ans, effectivement, se sont accomplis, effectivement? La Bible dit, effectivement, c'est tiré très bien que, verset 22, la première année de Cyrus, roi des Perses, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi des Perses, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Qu'est-ce qu'il a dit? Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tout le royaume de la terre. Et il m'a commandé de lui bâtir une maison. Où c'est? Où c'est? Qui d'entre vous de son peuple, que l'Éternel son Dieu soit avec lui et qu'il monte? C'était donc pour bâtir quoi? Oui, c'était pour bâtir quoi? Maintenant, regardez, frères et sœurs, tout ce que vous voyez, tout ce que vous voyez autour, parce que Israël sans Jérusalem, il ne peut rien faire. Parce que le temple ne peut pas être bâti en Samarie. Le temple doit être bâti où c'est? À Jérusalem. Maintenant, avec cette déclaration qui a été faite, et avec l'ambassade qui a été inaugurée là-bas, officiellement, ils ont le droit de dire que Jérusalem est notre capitale. Parce que c'est reconnu maintenant officiellement par ces grandes puissances. Et maintenant, les autres pays vont suivre aussi. Donc, ce qui veut dire que Israël reprend ses droits. Parce que Israël est Israël quand aussi le temple est là. Voilà la promesse maintenant dans Ésaïe 61. Regardez. Ésaïe 61. Nous lisons ici dans les Saintes Écritures. Ésaïe 61. Nous lisons à partir du verset 4. Ésaïe 61, verset 4, il dit: ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux, des fils d'étrangers seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi le peuple. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie l'Éternel. Il s'agit d'Israël. Écoutez, frère. Il dit: je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse à mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé son d'un diadème. Comme la fiancée sépare de ses joyaux, car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer les saluts et la louange en présence de toutes les nations. Amen. Maintenant, regardez le chapitre 62, afin que vous compreniez, frère, qu'il s'agit de Jérusalem et aussi de son temple. Regardez très bien, chapitre 62, verset 1, il dit: pour l'amour de Sion, je ne m'étirerai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut,
et tous les rois de la terre ta gloire, et on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi les filles s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu verras la joie de ton Dieu. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne s'éteiront ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, et ne lui laissez aucun relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant, je ne donnerai plus ton blé pour nourrir à tes ennemis. Et les fils étrangers ne boiront plus ton vin pour lutter la veuve. Mais ceux qui auront ramassé les blés le mangeront et loueront l'Éternel. Et ceux qui auront récolté le vin le boiront. Dans les parvis, vous savez bien où c'est? Dans les parvis de mon sanctuaire. Mon frère et ma soeur, tout converse effectivement pour que les temples soient rebâtis. Et que le Seigneur maintenant est en train de remettre effectivement Jérusalem sur son séant. Et toutes les nations, nous continuons d'aimer. Il dit, fléchissez, franchissez les portes, prenez un chemin pour le, préparez un chemin pour le peuple, frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière vers le peuple. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive, voici le salaire est avec lui, et les rétributions les précèdent. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel, et toi on t'appellera recherché, ville non délaissée. Amen. Mon frère et ma soeur, sous vos yeux, sous nos yeux, les saintes écritures sont en train de s'accomplir. Et ça, mon frère et ma soeur, c'est pour que toi tu comprennes que le Seigneur est vraiment à la porte. Si Israël récupère effectivement sa capitale, il n'y a pas une autre raison pour l'existence de la capitale de Jérusalem, si ce n'est que le temple soit rebâti. Donc si la capitale est revenue entre ses mains, puisque nous le Seigneur l'avait dit, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Donc sous nos yeux, nous voyons réellement. Et c'est vrai que quand les gens regardent, ils se posent un peu des questions. Mais c'est sûr et certain. Réfléchissez bien, pensez bien. 48, 2018, 70 ans. Amen. 70 ans. Et nous pouvons voir qu'effectivement, que Dieu ne se trompe pas. Il fait réellement les choses à sa manière. Pour que réellement, que d'abord, et c'est vrai, frère et sœur, il a dit, c'est devant, aux yeux de toutes les nations, parce que, qu'est-ce qu'ils n'ont pas eu à pouvoir crier? Parce que Jérusalem était une ville délaissée. Il y avait, c'est tous, toutes les religions pouvaient dire, mais c'est à nous, c'est à nous. Maintenant, il dit, non, c'est terminé. Le temps est arrivé où Israël doit avoir sa capitale. Et notre religion doit trouver leur endroit. Ce n'est pas l'endroit pour les catholiques. Ce n'est pas l'endroit pour les musulmans. Non, Jérusalem est Jérusalem pour Israël. C'est la capitale du roi David. C'est sûr et certain. Ça n'a jamais été pour Mahomet. Ça n'a jamais été pour Bouddha, ni pour les papes. Non, c'est là que Dieu a dit, j'ai choisi Jérusalem. Et Jérusalem doit revenir. Et sous vos yeux, vous le voyez revenir effectivement. Ça semble comme si c'est... Non, frères et sœurs, l'histoire est en train de se mettre en place. Et comme le Seigneur l'avait dit, quand ces choses commenceront à arriver, quand vous verrez ces choses, redressez-vous. Votre délivrance, frères et sœurs, ceci ne pouvait pas se passer à l'âge d'Éphèse, ou à l'âge de Thyatire, de Smyrne, non monsieur, ni de Pergame, non, c'est bien à l'âge de Laodicée. C'est l'âge dans lequel, pourquoi mon frère et ma sœur? Parce que Israël doit être une nation, retrouver effectivement aussi tout son potentiel. Nous l'avons eu à pouvoir dire aussi il y a longtemps de cela. Potentiel, pourquoi? Parce que Dieu a eu deux phases. Cette phase, c'est d'abord chercher en fait son peuple parmi les nations. Lorsqu'il termine avec ce peuple, parce que ce n'est pas un jeu, mon frère. Dieu est en train de faire son travail. Pourquoi entendez-vous que tel frère, tel soeur qui dit, ah oui, mais j'ai cherché, j'ai trouvé. Frères et sœurs, prêtez attention. Ce n'est pas vous qui cherchez.
Mais ça travaille leur cœur, effectivement. Et quand il dit, mais Seigneur, nous voulons, et Dieu le conduit quelque part, de par le monde entier aujourd'hui, vous avez des frères, il a prié tout à l'heure, vous avez des frères et des sœurs qui sont connectés ici. C'est pas moi qui les cherche, mais c'est Dieu, en fait. Les désirs dans le cœur de pouvoir arriver à pouvoir réellement aussi, il y a une soif qui travaille le cœur parce qu'ils veulent entendre effectivement quoi? La parole de Dieu. Et ça, c'est pas l'homme qui fait le travail, mais c'est Dieu. Pourquoi Dieu le fait? Vous perdez votre temps, vous avez une grâce de vous asseoir, écouter, mais vous prenez ça à la légère, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mon frère. Le premier sera le dernier, les derniers seront le premier. Quand tu ne prends pas en considération de tout ton cœur ce que Dieu fait pour toi, tu seras déclassé, sûr et certain. Tu pourras dire, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui est écrit en fait dans cette écriture en rapport avec les enfants d'Israël? Ils ont mangé la nourriture spirituelle. Ils ont bu l'eau qui sortait des rochers. Ils ont pu traverser la mer Rouge, effectivement. Ils ont passé par des choses tellement surnaturelles. Mais ils n'ont pas pris en considération. Ah, ils prenaient la ils venaient comme vous venez. On avait, ah, Dieu a fait, nous avons pris, Dieu a entendu. Vraiment, Dieu, on te voit. Et puis vous sortez. C'est oublié, puis vous retournez dans votre train de tous les jours, effectivement. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce que la Bible dit, effectivement, que tous ceux-là qui sont sortis sur leur conduite, ils voyaient bien la colonne de feu, ils voyaient bien la colonne de nuée, ils voyaient bien que c'était le rocher, ils voyaient bien, effectivement, que la manne tombait, la nourriture tombait, effectivement, l'air, effectivement, s'usait pas, ils les voyaient, ils ont traversé quand même la mer Rouge, ils l'ont vu à sec. Sont-ils arrivés à pouvoir entrer? Tous morts dans le désert. Pourtant, ils ont goûté. Que cela ne vous arrive pas, mon frère et ma soeur. Parce que ces habitudes sont une chose mauvaise. Nous devons considérer ce que Dieu fait. Et réellement prendre conscience qu'effectivement, que nous sommes dans une période, dans un temps. Pourquoi? Est-ce que vous sentez effectivement que les cœurs des gens commencent à pouvoir réellement se réveiller? Ils recherchent effectivement aussi. Pourquoi effectivement? Parce que il faut que les derniers puissent entrer. Ah oui, il faut que les derniers puissent entrer. Et ça ne va pas prendre longtemps, ma soeur. Ça va prendre longtemps, mon frère, avec ce qu'on est en train de pouvoir voir et entendre, effectivement. Hier, j'étais parti en France pour prier pour ma soeur, notre soeur Marie, et voilà que, je crois que c'est Marie, ça s'appelle, c'est cela, hein? Et voilà que nous revenons avec mon frère Daniel, qui m'accompagnait là-bas, parce qu'on est parti ensemble avec lui aussi, parce que la famille de frères attendait aussi là-bas, effectivement. Et puis bon, sur le chemin, il m'a rendu un témoignage, et qui m'a beaucoup réjoui aussi, en me disant, mes frères, voilà que j'étais parti pour aller prendre les carburants à la station essence, et là, j'ai pris les carburants, et voilà, je vois une voiture, une dame qui vient, qui s'arrête aussi pour pouvoir prendre le carburant, et voilà, mais il devait mettre l'argent dans la machine, donc pour que ça puisse mettre, en fait, le montant, en fait, qu'elle puisse prendre les carburants. Moi, j'attendais, et la femme en question, elle met l'argent sort, elle met 10 euros, les 10 euros sort, elle met 10 euros, les 10 euros sort. Puis finalement, le frère lui dit, bon, voilà, mais madame, montre-moi un peu les billets. Il a regardé, il dit, mais ton billet est tellement froissé, la machine ne va pas accepter. Et alors, il dit, mais je vais t'aider. Je te donne mon billet de 10 euros. Toi, tu le mets dedans. Et puis, je pense que ça va passer. Et le frère Daniel a remis le billet de 10 euros. Et puis, bon, la dame a mis. Et c'est passé. Il dit, ah, c'est passé. Alors, le frère Daniel dit, oui, je sais pourquoi c'est passé. Parce qu'il me dit, mais frère, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé à dire ça. Il dit, je sais pourquoi c'est passé. Il dit, mais pourquoi? Je dis, je suis pasteur. Ah. Alors, la dame dit, ah. Il dit, mais tu es pasteur. Dit, oh, j'ai cherché une église. Et aujourd'hui, c'est une sœur qui est dans l'assemblée là-bas. Amen. Ah oui, quel bonheur, quelle joie, mon frère. Rien pour vous, c'est rien, mais pour moi, c'est grand. Amen. Juste simplement, parce que le frère, il dit, mais si j'étais venu au moins 5 minutes après, ou 5 minutes avant, ou bien 10 minutes, on ne serait pas rencontré. Mais il a fallu que ce soit un temps déterminé par Dieu. Alors à ce moment-là, il savait qu'effectivement qu'on peut se rencontrer. Donc, le Seigneur travaille. Le Seigneur attire, effectivement, et aujourd'hui, mon frère et ma sœur, les gens ont soif d'entendre la parole de Dieu. Ce qui est écrit dans Amos. Il y aura une faim, une soif, non pas du pain, non, mais d'entendre la parole de Dieu. Ils vont parcourir, effectivement, les endroits, mais ils ne vont pas trouver. Mais quelle grâce, si nous pouvons, dans un temps comme ceci, avoir la grâce du Seigneur de pouvoir nous éclairer et nous placer les choses telles que nous puissions voir et considérer effectivement le plan de Dieu encore pour le temps dans lequel nous sommes, de manière à ce que nous puissions être certains, Seigneur, ta parole à toi est la vérité. Parce que ce que tu as dit, mais il veille même dans le moindre détail. Frères et sœurs, ces gens pouvaient prendre des décisions n'importe où, même pendant 2015, mais pourquoi attendre 2017? Et pourquoi 2018? Il n'y a rien de hasard.
Non, Dieu savait effectivement, parce que quand elle a dit 70 ans, on les a libérés là-bas effectivement pour aller quoi? Pour aller bâtir des maisons. Non, pour aller bâtir les temples de l'Éternel. C'est pourquoi l'édit du Seigneur, mais qui monte et qui bâtisse effectivement la maison de Dieu. C'est pour ça que Dieu fait cela. Parce qu'effectivement, vu, il y a le temple qui doit être là. Mais vous devez savoir que si les choses sont ainsi, il faut d'abord que l'épouse, toi qui dors, qui prends plaisir aux choses de coussiner, d'être en bon point, effectivement, fais très attention. Tu risques de voir te réveiller, tu regardes, tu téléphones, tel frère, oh, ça répond toujours aux messageries. Telle sœur, oh, ça répond aux messageries. Puis tu demandes tel, mais tel te dit, mais c'est pas possible, comment tout le monde ne répond plus? Mais tout le monde ne répond plus, mais parce que quand ils étaient là, dans l'assemblée, ils prenaient conscience. Mais toi, tu pensais que tu avais encore 10 000 ans devant toi. Alors tu prends toi à la légère. Mais c'est vrai, nous l'avons entendu. Moi-même, ça m'a touché, nous l'avons entendu, frère. Nous nous tracassons pour des choses inutiles. C'est vrai, vous venez, vous avez des soucis inutiles. Et pourtant, si tu étais païen, ben, je comprendrais. Mais tu es un fils de Dieu. Tu viens toujours avec ton fardeau. Mais Dieu dit, mais décharge-toi. De quoi as-tu besoin? Dit, mais je t'ai dit que si la seule chose que Dieu t'a donnée comme fardeau, c'est de rechercher le royaume de Dieu. Souci toujours la tête, je ne sais pas m'en sortir. Non, quand tu n'avais pas Dieu, c'est normal, tu veux te préoccuper, c'est pas m'en sortir, comment je vais m'en sortir. Mais maintenant que tu as Dieu, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, cherchez. Je vous décharge. Alors mon frère et ma soeur, pourquoi toujours ce même fardeau tu as? Tu sors, tu rentres, tu sors, tu rentres, tu as toujours ce fardeau. Non, le Seigneur t'a donné la grâce. Et l'occasion me dit, mais dépose tes fardeaux à mes pieds. Eh bien, laisse les fardeaux, mais n'a pas. Le problème, c'est qu'on dit, je l'ai laissé, mais tu sors avec. Mais non, mais Seigneur, frère, j'ai vraiment laissé, gloire à Dieu. La parole m'a touché, m'a dit, mais maintenant j'abandonne mon fardeau. Oui, tu l'as abandonné où? Parce que quand tu es sorti, il est toujours accolé à toi. Abandonne. Quand on dit qu'on a abandonné, et je n'ai plus ma pensée, puisque je l'ai donné à quelqu'un dont je sais qu'il a solutionné. Donc à celui-là, il va solutionner mon problème. C'est quand on a confiance qu'effectivement qu'on dépose la chose. Nous devons être conscients que l'heure est fortement avancée. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous, nous allons prier. Notre Père Céleste, notre Dieu, nous voyons que l'heure avance, mon bien-aimé Père. Tu nous as accordé la grâce d'avoir les yeux ouverts pour que nous puissions voir réellement le temps dans lequel nous sommes et les choses dans lesquelles nous nous trouvons, Père. Nous ne voulons pas perdre notre temps à des choses inutiles, Père. Et nous voulons vraiment implorer ta grâce encore aujourd'hui, Seigneur, de pouvoir réellement nous réveiller. Peut-être que les gens du monde ne voient pas tellement très bien mon sauveur. Mais nous voyons réellement ton objectif, mon bien-aimé Père Saint. Alors, Père Tubissant, peut-être les soi-disant qui disent, oh, ben nous connaissons, mais ils ne voient pas tellement très bien, Seigneur. Ils parlent effectivement des choses, mais ils ne comprennent pas. Oh Dieu, nous avons la grâce de pouvoir voir effectivement comment toi, tu places les choses, mon bien-aimé Père Tubissant, comment toi, tu fais les choses, mon bien-aimé Seigneur, pour que ton peuple puisse comprendre réellement ce que toi, tu es en train de pouvoir faire, Seigneur. Rien ne peut échapper à tes yeux, maintenant, Père Dieu, Père Tubissant. Rien ne manque, mon bien-aimé Père Tubissant. C'est pourquoi nous voulons vraiment prendre au sérieux. Oh Dieu, le cri qui a retenti encore aujourd'hui, mon bien-aimé Père Tubissant. Nous sommes dans l'âge de la Odyssée, Seigneur. Nous sommes de ceux-là qui sommes appelés à pouvoir faire l'histoire encore de la Odyssée aujourd'hui, mon bien-aimé Père. Souviens-toi de nous encore, mon bien-aimé Père Saint. Seigneur, tu fais des choses que l'homme ne veut même pas comprendre, Père Saint. Oh Dieu, ces hommes qui ont pu arriver à déclarer qu'il y ait une patrie pour Israël, ce n'était pas les hommes. C'était toi qui avais dit que tu le ferais. Tu as dit que moi qui ai dispersé Israël, je le rassemblerai, Seigneur. Tu l'as fait aux yeux de toutes les nations. Aujourd'hui encore, tu l'as fait devant les nations, mon bien-aimé Père Tubissant, malgré la colère des hommes, mais toi, tu as dit, mon Père, oh Dieu, tu l'accomplis, Père. Nos cœurs sont en train de battre dedans de nous, mon bien-aimé Père Tubissant. Voyant réellement, Seigneur, que ce que tu as dit bientôt, cela, oh Dieu, pour nous s'accomplit, mon bien-aimé Père Tubissant. Et bientôt, très bientôt, nous rentrerons à la maison, mon bien-aimé Seigneur. Oh, travaille encore nos cœurs, mon bien-aimé Père Tubissant. Nous voulons davantage nous empresser aux choses qui te concernent, comme nous l'avons aussi entendu dimanche, mon bien-aimé Père Saint. Nous voulons d'abord rechercher les choses du royaume des cieux, mon bien-aimé Père Tubissant. Nous voulons pardonner plus aux choses de ce monde, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Seigneur, il y a de ce monde qu'on n'en parle de ce monde, mon bien-aimé Père Tubissant. Parce que nous sommes en voyageurs, mon Père, nous sommes en partant. Nous sommes des voyageurs, mon bien-aimé Père, des pèlerins, mon bien-aimé Père Tubissant. Nous voulons être des hommes faits au caractère, mon Seigneur. Sois donné, sois béni encore, mon bien-aimé Père Tubissant, et glorifié le Père. Oh, soutiens mon frère et soutiens ma soeur. Aide-nous à être encore sérieux, mon bien-aimé Père Tubissant, dans les choses que toi tu nous as données, Père, oh Dieu. De croire
réellement l'importance et la grâce d'être à toi. Mon âme te loue encore ce soir, mon bien-aimé Père Saint. Nous te remercions, mon bien-aimé Seigneur. Oh Dieu, que aimant la foi soit redonnée encore à ton Père, mon bien-aimé Père Tissant. La considération que l'avantage encore ce soir. Nous te implorons la grâce, mon bien-aimé Seigneur. Éclaire et conduis et soutiens, mon bien-aimé Père Tissant. Nourris encore ton Père, mon bien-aimé Seigneur. Merci encore pour ce soir, mon bien-aimé Père Saint. Bénis mon frère Daouda, Père. Mon Dieu qui te préoccupé, que tu le bénis, tu le fortifies, Père. Nous te disons encore merci pour ta bonté. Merci encore pour ta grâce. Merci pour ton soutien, ton secours, Père. Tu nous éclaires encore davantage, mon bien-aimé Seigneur. Nous voulons vraiment avancer avec toi. Oh, tu es vraiment digne d'être adoré. Merci, Sauveur. Tu fais les choses d'une manière extraordinaire. Louange et honneur à toi. Merci, merci. Oh, Dieu. Nous comptons sur ta bonté, nous comptons sur ta grâce, mon Sauveur. Et aujourd'hui encore, mon Père, merci. Ce sont réellement des prophéties qui s'accomplissent, mon Père. Oh, Dieu. Aide-nous, Père. Mais c'est un chiffre, mon Père. Aide-nous, mon Sauveur. Nous te rendons gloire et honneur, Père. Nous avons soif de toi. Nous avons besoin de toi, Père. Merci. Oh, béni soit ton Seigneur. Éclaire-nous encore. Et soutiens-nous, Père. Merci. Oh Dieu, merci. À toi la gloire. À toi l'honneur, à toi la puissance et la victoire, mon Sauveur. Sois exalté encore et sois adoré, mon Père. Merci. Merci, merci, Père. Et elle est même qui a parlé encore cette fois, afin que vous, des enfants, en croient. Nous sommes concernés, nous sommes concernés. Je te loue de tout mon cœur et je t'exalterai de toute mon âme. Seigneur, tu fais les choses d'une manière particulière. Oh Dieu, chaque chose s'est alignée, mon bénémoine Patricent. Même ce jour-là, ils ont pu voir les étoiles s'aligner. La constellation s'est mise à sa place, mon bénémoine Seigneur. Ils étaient certains, mon Seigneur. Et ils ont voyagé pendant 2 ans, mon bénémoine Patricent. Oh Dieu du ciel, je te loue de tout mon cœur, mon Sauveur. Ces hommes étaient convaincus que réellement tu étais à l'œuvre, mon bien-aimé Père. Aide-nous encore ce soir à prendre conscience de ce que toi tu fais, mon Sauveur. Merci, merci encore, Père. Ce soir, merci encore. Père. Ce soir, mon âme, tu loues, Père. Bénis nos frères, bénis nos sœurs. Merci, merci pour les sœurs que tu nous as données, Père Saint. Merci encore pour les frères que tu nous as donnés, mon bien-aimé Père Saint. Nous te disons merci. Oui, Père. Nous avons besoin de toi, mon Sauveur. Nous avons besoin de ta grâce, mon bien-aimé Père Saint. À toi la gloire, à toi l'honneur. Oh, à toi la puissance, mon Sauveur. Nous sommes éclairés par toi, mon Sauveur. Oh oui, Père. Merci encore. Merci. Merci pour ton amour et ta bonté. Merci pour ta grâce, mon Sauveur. Louange et honneur à toi, mon bien-aimé Père. Tu éclaires, tu soutiens, tu éclaires et tu fortifies encore, mon Sauveur. Merci. Merci pour ton Père. Soutiens-nous. Soutiens-nous, mon Sauveur. Pardonne. Je te loue de tout mon cœur. Je t'exalterai. Je chanterai ta gloire. Merci. Merci, oh mon Dieu. Merci, oh mon Seigneur. Gloire à toi. Oh Dieu, très haut. Tu es merveilleux, mon Seigneur. Je te loue et je t'exalterai. De tout mon cœur, mon Sauveur. Sois exalté encore. Mon âme te reconnaît. La gloire et l'honneur te reviennent encore. Aide-nous, Père. Aujourd'hui, Israël, oh Dieu, retiens cela, mon bien-aimé Patricien. Aujourd'hui, Israël est sur son séant. Les nations ont beau parler, mais ils ont vu réellement ta main, Seigneur, qui est tellement puissante pour ton peuple d'Israël, mon Sauveur. Merci, parce que si tu le fais pour Israël, c'est aussi pour nous que tu le fais, Seigneur. C'est aussi un signal aussi retentissant, mon bien-aimé Père Saint. Nous savons que réellement que les choses sont différentes. Car nous voyons aussi combien les choses brillent encore dans nos cœurs, mon bien-aimé Père Saint. Aide-nous encore, mon Sauveur. Merci. Louange et honneur à toi. Pardonne. Soutiens, mon Sauveur. Nous nous préparons pour ta rencontre. Nous nous préparons à aller à ta rencontre, mon Sauveur.
mais nous sommes heureux de pouvoir réellement te servir, Père. Garde ton peuple, garde nos yeux fixés sur toi. Nous voulons voir les événements selon les saintes écritures. Nous voulons réellement voir selon ta parole à toi, mon bénévole Patrissant, et considérer les choses comme toi tu le veux, Seigneur. Ce soir, je te remercie pour ta lumière, Père. Je te remercie encore de nous avoir éclairé, Père, et nous montrer réellement ce que toi tu fais. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, mon Sauveur. Merci, 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 mon Père. Sois béni, Père. Sois exalté. Louange et honneur à toi. Merci, merci, merci. Louange et honneur à toi. Oh, nous te remercions, Père. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, mon Sauveur. Sois béni. Sois exalté encore. Nous voulons prendre au sérieux les choses que tu nous as données, Père. Nous voulons prendre au sérieux ce que tu fais parmi nous, mon béni, mon Seigneur. Et en considération, mon Sauveur, être réveillé, être secoué par toi. Et encore une fois, merci encore, Père. La crainte t'est due, mon Sauveur. L'honneur aussi t'est dû encore, mon Maître. Merci, merci pour ta bonté, mon Père. Merci, mon Maître béni. Béni soit ton nom. Merci, mon Père. Gloire à toi. Oui, mon Père. Tu es Dieu. Merci. Amen. Merci. Merci, Père. Gloire à toi. Merci, Sauveur. Merci. Merci, mon Père. Merci, Père. Oh oui, Père. Oh, nous voulons te voir, mon bien-aimé Père. Nous voulons te voir, mon bien-aimé Père Tibissant, pour ce que toi tu es pour nous. Gloire à toi. Merci. Merci. Amen. Amen. Certainement, mon Sauveur, tu as accompli ce que tu as déclaré par ta bouche, Père. Nous voulons simplement, Père. Oui, Père. Merci. Merci. Merci, Père. Gloire à toi, Père. C'est vrai. C'est vrai, mon Sauveur. Tu es clair encore, Père. C'est vrai. Nous te remercions, Père. Merci. Tu as dit. Tu l'as déclaré, Père. Amen. Amen. Tu es Dieu, mon Sauveur. Tu es merveilleux. Oui, Père. Amen. Gloire à toi. Et honneur à toi, mon Sauveur. Sois béni, sois exalté. Tu fais de merveilles, mon Père. Oui, Père. Merci. Oh, tu fais de merveilles, mon Sauveur. Tu es merveilleux, Père. Louange à toi. Oui, Père. Nos cœurs et nos âmes sont attachés à toi, Père. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Loué sois-tu encore, mon Sauveur. Exalté sois-tu encore, mon Père. Tu nous éclaires. Amen. Amen. Merci. Merci, ô Maître béni. Louange à toi. Bénis ta servante, Père. Louange et honneur à toi. Tu es le Dieu qui nous éclaire, qui nous soutient, Père. Bénis ta fille, mon Sauveur. Nous te sommes reconnaissants. Et nous te remercions parce que tu nous éclaires, mon Père. Tu nous as pas laissé dans les ténèbres, mon roi. Aujourd'hui encore, tu nous témoignes que tu es vivant, Père. C'est une grâce, mon bénévole Père, un privilège de ce que nous puissions voir les choses comme les aigles voient. Merci, Seigneur Jésus, oh Dieu. Mon âme t'est reconnaissante encore aujourd'hui pour mon frère et pour ma soeur, mon bénévole Père Tibissant, qui aujourd'hui aussi a pu saisir encore, mon bénévole Père. Nous te sommes pour moi reconnaissants. Sois béni, sois exalté encore, Père. Nous marcherons avec toi, et nous laisserons conduire par toi, béni mes pères. Oh Dieu, prends le contrôle de chacun de nos pères, de nos cœurs et de nos âmes, Seigneur, que ta parole ait la prééminence encore dans nos cœurs, dans nos âmes, dans notre pensée, Seigneur. Oh, nous voulons vraiment déposer tous nos fardeaux à tes pieds, Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons sortir vraiment libres, effectivement, ici, comme des aiglons, mon béni mes pères. Oh Dieu, chantant les chants de Sion pour ta gloire, sachant que tu es notre Dieu, qui veille réellement, même quand nous dormons, mon béni mes Seigneur. Celui qui veille sur son milieu, mais pas parce que les dieux qui veillent sur nous, mon béni mes pères saints. Nous te remercions encore. Mon roi, oh, nous sommes heureux d'avoir un Père comme toi, un Dieu comme toi, un Sauveur comme toi, mon Seigneur. Sois donc glorifié, Seigneur. Nous chanterons les chants de Sion pour la gloire de ton Saint-Nom, parce que tu les mérites, oh, notre Dieu. Merci parce que tu es vraiment roi. Règne et domine, mon bien-aimé Père Saint. La crainte nous empare, mon bien-aimé Père Tibissant. Le respect empare encore notre cœur, mon bien-aimé Père Tibissant. Tu es vraiment un Dieu honorable, Père. Tu es vraiment le Dieu de ta parole à toi. Oh, les saints qui te prennent vie, mon bien-aimé Père. Nous voyons que tu es vraiment vivant, Seigneur. Nous avons du respect pour
pour ta parole, mon bien-aimé Père Saint, parce que tu y veilles, mon roi. Seigneur, qui peut, mon bien-aimé Père Dieu? Oh, Père Dieu, aux yeux de toutes les nations, mon bien-aimé Père, tu témoignes que tu es vraiment le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Dieu d'Abraham, tu es merveilleux, Seigneur. Sois exalté, mon roi. Mon âme te loue encore aujourd'hui, mon bien-aimé Père Tibissant. Oh, que toute la terre entière chante ta gloire à toi, parce que tu dis la chose arrive, mon bien-aimé Père Tibissant, quand tu ordonnes, elle doit exister, Seigneur. Nous le voyons, nous le vivons, Seigneur. Oh, prends le contrôle de nos âmes, mon bien-aimé Seigneur. Oh, que la crainte pénètre encore nos cœurs, mon bien-aimé Père Tibissant. Le respect, mon bien-aimé Père Tibissant. Oh, guéris mon frère, guéris ma soeur, mon roi, qu'ils aient la foi, mon bien-aimé Père Dieu, de prendre pour ce que tu leur as donné, Père, parce que nous voyons que tu as parlé la vérité, Seigneur. Et s'accomplit, mon roi, sous nos yeux. Sois exalté, mon roi. Sois béni encore aujourd'hui, Père. Merci, Père Saint, pour tout l'amour et la grâce que tu nous as accordé, Seigneur, d'être conduit, éclairé réellement par toi, Père. Bénis tes enfants encore ce soir et que chacun d'eux, mon bien-aimé Père. Nous voulons sortir en ces lieux, Père, ayant la joie et l'allégresse, sachant que nous marchons avec toi et que la lumière nous éclaire véritablement, Père, et nous sommes le troupeau de ton pâturage. Bénis tes servantes et serviteurs, Père, qu'ils soient tous bénis, mon bien-aimé Père Saint. Oh, nous voulons avoir cette unité en toi. Sois donc béni, exalté. Nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, et je le louerai toujours. Amen. Que le Seigneur soit réellement béni. Je vais vous dire une chose, frère. C'est vraiment un secret. Ce soir, vous avez été en présence du ministère apostolique. Vous n'avez pas compris, frère. Je répète, ce soir, vous avez été en présence du ministère apostolique. Ce dont le Seigneur avait révélé à notre frère Timothée. C'est lui qui consiste à prendre les Écritures et à les placer chaque chose à sa place. Vous comprenez ? C'est ça ce que le Seigneur a fait ce soir. Que le Seigneur nous aide. Que cette semence que nous avons reçue ce soir agisse réellement. Parce que c'est la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu bénisse réellement son serviteur. Des fois, quand il est ici et Dieu le travaille réellement à sa manière, il prend la position de pasteur, il est gentil, il prend soin de nous comme un berger. Mais quand Dieu le prend, il l'élève encore davantage comme un apôtre. Vous avez vu lui-même, il a dit, moi-même, je le vois maintenant. Et le Seigneur, il est clair en ce moment-là. Que Dieu soit réellement béni. Que Dieu nous ouvre les yeux, frères. Que nous ne serons pas des ceux qui viennent et qui sortent comme des touristes. Mais que Dieu nous aide réellement à être des hommes faits. Que la parole qui est proclamée, que nous puissions le prendre. Rentrons à la maison, méditons cela, frère. Le temps n'est plus. Je vais inviter mon frère Ghislain à venir rendre témoignage et chanter pendant que mon frère Rosario va récolter les offrandes. Viens mon frère, s'il te plaît. Et alors nous rentrerons à la maison. Que le Seigneur bénisse. Ah, c'est un très court témoignage. Et je le rends parce que quand ça, le jour où ça s'est passé, j'avais senti dans mon cœur que c'est le Seigneur qui le faisait et que je devais le dire pour sa gloire, pour montrer qu'il pourvoit à nos besoins, même dans le moindre détail, comme nous venons de l'entendre avec le témoignage de notre frère Koulibaly. Un dimanche après culte, quand je rentre à la maison, je vais au car wash pour laver la voiture à côté de chez frère Marcel, enfin près de chez frère Marcel. Et alors j'ai l'habitude d'acheter beaucoup de jetons que je garde dans ma voiture. Et ce jour-là, quand j'arrive au car wash, je me rends compte que je n'avais pas assez de jetons.
Enfin, j'avais des pièces de monnaie dans la voiture et je pensais que c'était des jetons. Et donc, quand j'arrive, je me rends compte qu'il me manque deux jetons. Donc, j'avais d'abord lavé la voiture et j'ai mis la mousse et tout. Au moment où je veux rajouter les jetons pour faire les rinçages, c'est là que je me rends compte que je n'avais plus assez, qu'il me restait plutôt des pièces dans la voiture. Mais je ne pouvais pas acheter d'autres jetons avec la pièce. Il me fallait au minimum un billet de 5 euros. Alors, j'étais coincé, je ne savais pas quoi faire. Je regarde tout autour s'il n'y avait pas de magasin, enfin un endroit où je pouvais retirer de l'argent pour trouver les billets afin d'acheter les jetons et je ne trouvais pas. Ma voiture était, enfin il y avait la mousse sur ma voiture, je ne pouvais pas me déplacer avec la voiture pour aller à la maison chercher. Donc voilà, j'étais coincé. Et alors dans mon cœur, j'ai dit, mais comment est-ce que je vais faire? Je reste là, je fais les 100 pas et 5 minutes après, je vois une dame qui arrive, qui achète aussi les jetons. Il avait 20 euros. Il achète des jetons pour 20 euros. Dans mon cœur, je me dis, mais je peux peut-être aller lui demander que je lui donne des pièces, que je lui donne 3 euros en pièces, qu'il me donne 3 jetons. Je vais lui demander, elle refuse. Et quand elle refuse, je dis, ok, il n'y a pas de problème. Mais je ne savais même pas quoi faire. Et puis, dans mon cœur, j'ai dit, mais Seigneur, c'est toi qui peux pourvoir pour moi pour 2 jetons. Et alors, je reste là. Et puis, je sens dans mon cœur, mais va demander à tel monsieur. En fait, plus loin, il y avait des gens qui aspiraient leur voiture. Et puis, je sens dans mon cœur, il dit, va demander à tel monsieur-là. Mais j'ai dit, mais pourquoi seulement lui, alors qu'il y en a beaucoup? Encore, il dit, va demander à ce monsieur-là. Puis je me suis dit, bon, ok, je vais lui demander. Et alors quand je vais lui demander, et puis il m'accueille avec un sourire, il me salue avec un sourire, et puis je lui demande s'il pouvait m'aider avec des jetons que je lui remette des pièces en euros. Alors il a dit, il n'y a pas de problème en néerlandais. Il me dit, il n'y a pas de problème. Il regarde dans sa voiture, il y avait beaucoup de jetons, et puis il me donne les jetons dont j'avais besoin, et je lui ai remis l'argent. J'ai dit, merci Seigneur parce que tu as pourvu à mes besoins. C'est juste pour dire que le Seigneur pourvoit à tous nos besoins, même dans les moindres détails. Et par rapport aussi au témoignage que j'avais rendu de mon chef qui était hospitalisé, il est venu au bureau aujourd'hui. Il est en très bonne santé, le Seigneur vraiment l'a rétabli. Merci beaucoup pour vos prières. Et alors pendant qu'il parlait aux collègues, puis il dit, je suis passé par le trou d'une aiguille pour dire qu'il était mourant et il est revenu à la vie. Et il disait, il a resté que moins une. Enfin, il a dit une expression pour dire que vraiment il était partant et le Seigneur l'a ramené. Et c'est grâce aux prières que nous avons aussi adressées ici à son endroit. Mais le pasteur aussi avait prié pour lui. Que Dieu vous bénisse. Je vais chanter le cantique. Pourquoi donc se mettre en peine? Pourquoi donc se mettre en peine pour les choses d'ici-bas? Cessons de trop lourdes chaînes qui viennent entraver nos pas. Oh, laissons-les, déposons-les, nos fardeaux que Dieu veut porter. Il pourvoira dans son amour à nos besoins de chaque jour. Regardons sur la prairie comment croît le lys des champs. Sa parure est si joyeuse, nous dit soyez confiants. Oh, laissons-les, déposons-les, nos fardeaux que Dieu veut porter. Il pourvoira dans son amour à nos besoins de chaque jour. Les cheveux de notre tête sont comptés, nous dit Jésus. Que chacun dans sa remette
adieu et ne craigne plus. Oh, laissons-les et posons-les nos fardeaux que Dieu veut porter. Il pourvoira dans son amour à nos besoins de chaque jour. Aucun passeur ne tombe à la volonté de Dieu. Ce sont de petites ombres et nous valons bien plus que. Oh, laissons-les, déposons-les, nos fardeaux que Dieu veut porter. Il pourvoira dans son amour à nos besoins de chaque jour. Plus de soucis, plus de peines, dû à l'incrédulité. Mes confiances sereines dans le Dieu fidélité. Oh, laissons-les, déposons-les, nos fardeaux que Dieu veut porter. Il pourra dans son amour à nos besoins de chaque jour. Oh, laissons-les, déposons-les, nos fardeaux que Dieu veut porter. Il pourvoira dans son amour à nos besoins de chaque jour. Que le Seigneur soit réellement béni. Alors que nous allons prendre le temps de prier pour ces quelques requêtes, notre sœur Cornélie demande la prière des saints pour son épaule gauche. Elle dit qu'elle a vraiment très mal et elle sait qu'ensemble nous sommes forts dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse, c'est notre sœur Cornélie qui a mal à son épaule gauche. Nous allons après remercier le Seigneur pour une année de plus qu'il a accordée à notre enfant Glory hier, le 14 mai. Nous allons remercier le Seigneur également pour, ici je vois, donc Dieu est vraiment bon. Avant de venir à l'Assemblée, j'avais l'asthme. Et en chantant les louanges, mon asthme est parti. Je suis guéri, je remercie Dieu de tout mon cœur. C'est notre sœur Evelyne. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Nous allons remercier le Seigneur pour notre sœur Evelyne, pour notre enfant Glory, pour aussi le collègue de notre frère Ghislain. Prions pour notre sœur Cornélie. Prions le Seigneur. Tendre Père Céleste et notre Dieu, encore une fois, ô Éternel, nous venons, Seigneur, pour réclamer la santé de notre sœur Cornélie, Seigneur. C'est ta fille, Seigneur, mon Père, tu vois combien elle t'aime, combien elle aime, Seigneur, mon Dieu, ta parole, mon Sauveur. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur, que ce démon qui la dérange à son épaule gauche, oh, que ce démon la quitte, mon Sauveur, qu'elle soit rétablie, mon Sauveur, que son corps soit restauré, Seigneur Jésus. Tu es celui qui guérit de toute maladie, Seigneur. Étends ta main, Père, et touche-la, là où elle est, Seigneur, mon Père. Elle est venue dans ta maison, malgré les difficultés de son corps, Seigneur. Tu es celui qui restaure, mon Sauveur. Guéris-la au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Sois loué, notre Dieu. Merci parce que ta présence ne fait jamais défaut, notre Dieu. Restaure son corps, Seigneur. Restaure son épaule, mon Sauveur. Que cette douleur la quitte, mon Père. Qu'elle soit réellement restaurée au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour avoir guéri aussi notre sœur Evelyne, Seigneur. Oh, le démon, Seigneur, Satan voulait l'empêcher de te louer, de te glorifier, Seigneur. Mais tu l'as libéré, Seigneur Jésus. La louange brise les chaînes, mon Sauveur. Tu libères ceux qui sont à toi, mon Père. À toi et moi la puissance et l'autorité. Merci pour le collègue de notre frère Ghislain, Seigneur, pour qui nous avions prié, Seigneur. Tu l'as restauré, tu l'as guéri, Seigneur. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te glorifier? Seigneur, merci pour notre enfant Glory, Seigneur, pour qui tu as ajouté une année de plus dans sa vie, Seigneur Jésus, hier. Tu es le Dieu de ta parole, mon Sauveur. Tu n'oublies pas, Seigneur, mon Sauveur. Tu veilles sur nous et ne sur notre postérité. Veille sur elle, mon Sauveur.
Accorde-lui réellement des jours meilleurs, de grandir dans ta crainte et dans le respect de ta parole, Seigneur. Bénis, Seigneur, ses parents. Pourvois, Seigneur, à tous les moyens nécessaires, financiers et même spirituels, Seigneur, afin qu'elle soit réellement élevée dans ta présence, mon Sauveur. Accorde-lui réellement ta grâce. Nous te le demandons avec foi, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. J'allais oublier, notre sœur Loïs nous a envoyé aussi un mot. Elle dit que nous avions, elle dit bonjour frère Christian, l'autre fois on avait remis des sujets de prière au frère Ghislain et j'avais donc émis la requête pour le neveu d'un ami qui souffrait d'un problème des reins et devait se faire opérer. Hier, cet ami m'a dit que l'opération s'est bien passée et que le petit va bien. C'est pour remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait. Que Dieu soit réellement béni. Remercions le Seigneur pour cela aussi. Tendre Père et notre Dieu, Seigneur, merci parce que toi, dans les moindres détails, Seigneur, même nos amis et nos connaissances, mon Sauveur, à qui nous rendons témoignage de ta grandeur et de ta puissance, Seigneur, tu veilles et tu prends soin, Seigneur Jésus. Merci d'avoir veillé sur cet enfant, Seigneur. Merci d'avoir permis que l'opération puisse bien se passer. Oh Jésus, garde-le, protège-le, restaure-le totalement, Seigneur. Que ses reins puissent bien fonctionner, Seigneur. Qu'ils soient en bonne santé, grandissent, Père, et glorifie ton nom, notre Dieu. Merci pour tous les témoignages, pour notre frère Bruno, merci pour mon frère Koulibaly, merci pour mon frère Ghislain, merci pour ce que tu fais, Seigneur Jésus, combien tu es merveilleux pour chacun de nous, éternel, à toi seul réellement la gloire. Bénis notre sœur Esther de Lille, Seigneur, merci pour ce que tu fais, notre Dieu, merci pour ta main qui bénit et qui protège, Seigneur. Bénis notre sœur Juliette de Toulouse, mon Sauveur, souviens-toi aussi, Père, de notre sœur Rachel à Toulouse, mon Sauveur, souviens-toi de tout ce que toi tu connais, Seigneur, par leur nom propre, mon Sauveur, bénis-les, protège-les, Seigneur, à toi seul sois la gloire à jamais, au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi remercié, Père. Amen. Que le Seigneur nous garde et nous protège. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion et je rappelle que ce soir, à partir de 22h, je pense qu'il y aura donc le début des manifestations de la grève de demain. Donc à partir de 22h, je pense qu'il y aura un problème de transport. Nous allons terminer de manière à ce que tout le monde puisse avoir le temps de rentrer à la maison. Que le Seigneur nous garde et nous protège. Si telle est la volonté du Seigneur, retrouvons-nous le jeudi. Je remercie le Seigneur pour un an de plus qu'il a accordé à ma fille Déborah Lifessé. Est-ce qu'elle est là, la sœur Déborah? Je vois sa main qui s'agite. Bon anniversaire à toi, ma sœur. Que le Seigneur te bénisse richement. Nous allons prier pour elle également. Tendre Père Céleste et notre Dieu, combien tu es bon, Seigneur. Merci pour cette année de plus que tu as accordée à notre bien-aimée sœur Déborah, Seigneur Jésus. Merci parce que c'est toi qui veilles. Merci parce que c'est toi qui protèges. Merci, Seigneur, pour tes bénédictions. Merci parce que tu l'as toujours protégée et soutenue, Père. Tu connais les désirs de son cœur. Ta parole, nous l'avons entendue ce soir encore. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Bénis ma sœur Déborah, Seigneur. Fortifie-la, Seigneur, qu'au-delà de tout, qu'elle puisse s'accrocher à toi. T'aimer et te servir plus que tout, Seigneur. Bénis son mari, Seigneur. Bénis son fils, au Père. Bénis sa progéniture, mon Sauveur. Pouvoir encore, Seigneur, parce que tu es le Dieu de ta parole, mon Sauveur. Accorde la grâce, Père. Nous le croyons, car tu l'as déjà fait. Nous te remercions pour cette année de plus, Père. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde et tes compassions. À toi la gloire, la puissance à jamais. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous te l'avons ainsi demandé, Père. Amen. Amen. Que le Seigneur soit réellement béni. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Que le Seigneur nous garde et nous protège. Allons dans la paix du Seigneur. Levons-nous, nous allons prier avec notre frère Rosario. Viens mon frère, s'il te plaît. Viens prier pour congédier l'Assemblée. Que le Seigneur nous garde. Si telle est la volonté de Dieu, retrouvons-nous le jeudi. Alléluia. Gloria e onore a te, Signore. Ti vogliamo ringraziare con tutto il cuore, con tutta la nostra anima, con tutta la nostra mente e con tutte le nostre forze. Amen. E dirti ancora, Signore, sei meraviglioso. Amen. Sei grande, Signore, ancora come in questa sera, Signore, tu hai parlato. Ed è vero, Signore, tu sei colui che cambia la storia del mondo, Signore.
Chi poteva mai immaginare, Signore, ancora da un tratto, Signore, una notizia così meravigliosa per noi che amiamo Gerusalemme, Signore, per noi che amiamo Israele, Signore Gesù. Oh Padre, Tu ti sei rivelato in questa persona, in questo uomo, Signore, affinché, Signore, potesse dare, Signore, questa notizia, Signore Gesù, che Gerusalemme è capitale di Israele. Amen. Ti ringraziamo, Signore, perché vediamo che la Tua parola è quella che s'adempie, Signore. Tu non vieni mai meno la Tua parola. 70 anni sono passati, Signore, e Tu sei stato puntuale, Signore, alla Tua parola che si sono compiti, Signore Gesù, e Tu hai annunciato questa notizia meravigliosa, Signore. Ti ringraziamo, Signore, perché Tu sei fedele, sei verace, e non c'è un altro Dio uguale a Te, Signore. Ogni cosa viene da Te, Signore. La vita che Tu dai a noi, Signore, viene da Te, Signore. È una grazia, Signore, ancora in questa sera, perché siamo nella gioia, Signore, sentendo questa parola, Signore, che ci dà forza, Signore Gesù, che ci ristora, Signore, che riempie i nostri cuori, Signore. Gloria e onore a Te, Signore. Qual è quel Dio come Te, Signore? Non esiste nessun Dio, Signore. Gli dei di questa terra non sono che opera di mano d'uomini, Signore. Non parlano, non vedono, non camminano, ma Tu sei vivente, Signore. Ma poiché Tu vivi, noi vogliamo vivere per Te, Signore. Dacci forza, Signore, affinché possiamo servirti sempre di più, Signore. E perché vediamo, Signore, avvicinarsi questo giorno meraviglioso, Signore, Ti vogliamo servire sempre di più, Signore. Metti zelo nei nostri cuori, Signore, affinché possiamo ricercare, Signore, la comunione con Te, Signore, che la nostra vita, Signore, possa essere una vita consacrata a Te, Signore. Questo è quello che vogliamo, questo è quello che anelliamo, questo è quello che desideriamo, Signore, essere in comunione con Te tutti i momenti, Signore, della nostra vita. Perché vediamo, Signore, che Tu sei molto importante, Signore. Non c'è niente di buono in questa terra, Signore Gesù. Dobbiamo lasciare ogni cosa. Sappiamo, Signore, che siamo forestieri. Sappiamo che siamo per un tempo, Signore, in questa terra. Ma sappiamo, Signore, che c'è una città celeste, Signore, che ci attende per regnare per l'eternità con Te. Alleluia, gloria a Te, oh Signore. Benedici il Tuo servitore, Signore. Oh, che Tu gli possa dare la forza, che Tu lo possa fortificare, sostenerlo, guidarlo, Signore, come Tu l'hai guidato ancora in questa sera, Signore Gesù, attraverso questa potente parola. Dagli forza, Signore Gesù, e che Tu gli possa dare veramente una salute forte, Signore, affinché il Tuo servitore possa portare la Tua parola al Tuo popolo. E vediamo che veramente siamo nel tempo della fine. Signore, Tu stai parlando, Signore, Tu stai radunando da ogni parte del mondo il Tuo popolo, e noi lo vediamo con i nostri occhi, Signore. Vediamo le testimonianze, Signore, che arrivano da ogni parte, Signore, che cercano tutti la vera parola, Signore, e Tu li stai indirizzando nella giusta via, Signore, in cui tutti Ti possono trovare, Signore. Gloria e onore a Te, Signore. Benedici ancora mio fratello cristiano, Signore, che Tu lo possa fortificare, che Tu lo possa guidare nel continuo, Signore. Benedici mio fratello Zosche, mio fratello Jonas, mio fratello José. Signore, anche se non li nomino tutti, Tu li conosci per nome, Signore. Ancora tutti coloro che lavorano, Signore, in questo luogo, in tutti questi servizi, benedici, Signore Gesù. Benedici ogni mio fratello, ogni mia sorella qui presente, Signore Gesù. Benedici quelli che sono collegati su internet. Tutti, Signore, il Tuo popolo nel mondo intero, benedici, opera, Signore, perché è l'orecchio Tuo, Signore, sappiamo che non si è indurito, e nella mano Tua si è accorciato, Signore, poiché Tu sei il Dio dei miracoli, Tu sei il Dio delle guarigioni, Signore, Tu sei lo stesso Dio di ieri, di oggi
e per l'eternità, Signore. Benedici la corale, Signore. Ancora ti presentiamo le decime, le offerte che il tuo popolo ha portato, Signore. Benedici, Signore Gesù, e che nella tua casa, Signore, ci sia dell'abbondanza, oh Signore Gesù. E ancora, Padre, che dobbiamo lasciare questo luogo, quello che vogliamo, Signore, che questa parola veramente che abbiamo udita, Signore, che ha penetrato nei nostri cuori, Signore, la possiamo veramente meditare, Signore, e che possa rimanere incisa nei nostri cuori, che possiamo pensare, Signore Gesù, di tutto quello che fai per noi, Signore Gesù. Accompagnaci, Signore, ancora in questo viaggio di ritorno, sia accanto a noi, Signore Gesù. Noi lo sappiamo, Signore, che tu sei colui che veglia sul tuo popolo giorno in notte. Tu non ci lasci e non ci abbandoni, ma sei sempre con noi e in noi. A te l'onore e la gloria, Signore, a te il ringraziamento, Padre, nel nome prezioso e meraviglioso di Gesù Cristo. Alleluia, amen. Que le Seigneur soit béni. Nous chantons le 130 alors que nous sortons. 130. Voyez comment toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux, annonçant la venue du Seigneur. Oh, bientôt s'ouvriront les yeux. Thank you.